photographie qui est faite en 17 photos, qui est donc montée sur des palettes avec du son, avec des objets, avec des portraits noir et blanc tirés sur bâche. L'idée c'était de nous plonger dans la Médina, de nous plonger dans la ville de Foumbouni qui est à 80 km au sud-est de Moroni, donc en Grande Comore. Mais 80 km là-bas, c'est 2h30 de route, puisque en avril 2012, avec les inondations, là, les routes se sont complètement effondrées. Donc un village qui est quand même relativement difficile d'accès. Et vous avez donc des portraits, des rencontres, avec également une série de photos qui tournent autour du grand mariage, puisque mon but était de comprendre comment ce grand mariage, ce rite de passage, comment il existe aujourd'hui, puisque c'est un paradoxe entre la modernité et la tradition. Mon envie, c'était de comprendre quelle est la face cachée des grands mariages et pourquoi finalement cette tradition est toujours aussi omniprésente et quel est le lien aussi en termes de redistribution d'équipement en fait des familles qui se marient. J'aimerais bien faire aussi une projection à Foumbouni des photos. Oui, je pense qu'à Foumbouni, il n'y a pas de problème. Hein. Tu pourras avoir la notabilité qui sera derrière. Voilà, je pourrai t'aider à organiser. Moi, ce que je veux, c'est projeter les 100 photos du bouquin et faire quelque chose de festif, tu vois, où les gens ils se rendent. Après, ce que tu peux faire aussi, comme nous on a fait à la Biennale d'art contemporain, c'est mettre les photos dans les lieux publics. C'est-à-dire au lieu de créer une installation, en fait, tu les dissémines dans la Médina. Ah, carrément, la Médina en plus, c'est vachement bien. Ouais, ça va être beaucoup plus intéressant. Ouais. Enfin, nous, on a fait ça dans la Médina de Moroni. Donc, c'est très bien passé, les gens respectent le travail. Bah, en plus, c'est sur bâche, donc il n'y a aucun problème pour les animaux. On a prévu les œillets pour qu'elles puissent être présentées à l'extérieur, donc quand tu veux. Voilà. Non, c'est plutôt quand la ville de Foumbouni veut, parce qu'il faut les convaincre. Il n'y a pas de souci. Ben voilà, on est une ambassadrice. Moi, je pense qu'on devrait y arriver. Voilà. Hein. Voilà. Je pense qu'on devrait y arriver.